réussir pas mal. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Mode à la Mode. On se retrouve aujourd'hui pour tester une voiture française sur la piste de Donington Park. On va tenter de freiner, ça ne freine pas du tout. Nous sommes aujourd'hui avec la Fenio F5. Alors la Fenio F5, c'est une voiture française, je vous le disais. Et elle débarque en mode dans Assetto Corsa. Alors c'est une voiture un petit peu obscure que peu de gens connaissent, mais si d'aventure vous avez pourquoi pas gagné un ticket ou une journée piste ou un cours d'apprentissage de pilotage, vous avez peut-être mis votre charmant derrière, je ne sais pas, dans cette voiture qui a pas mal de particularités techniques pour les débutants, en tout cas pour le fun, ça c'est sûr. Alors, la Fenio F5, c'est une voiture donc qui s'appelle Fenio, tout simplement Fun pour le fun et Yo pour les initiales de son créateur, Yves Auran, un Français donc. Et cette voiture est basée sur un châssis qui est assez intéressant, avec beaucoup d'appui, déjà une lame avant, un aileron arrière assez conséquent, ce qui permet aux gens avec un moins bon niveau de pilotage, en tout cas avec peu d'expérience, de profiter de la piste sans forcément se mettre en tête à queue à chaque virage, puisque la première chose que l'on va constater quand on va tester ce mode, c'est que si vous touchez un vibreur, que vous accrochez à l'un de ces morceaux de piste relevés, la voiture va tout simplement décrocher et se mettre en tête à queue, ou en tout cas s'accrocher au vibreur et ne plus lâcher du train avant. Comportement assez particulier puisqu'on a une voiture derrière avec beaucoup d'appui, mais vous le voyez, voilà, ça glisse assez rapidement et surtout de manière assez inattendue, c'est-à-dire que le grip tient très longtemps et au moment où il décroche, bonne chance pour aller le rattraper. Cette voiture est donc disponible dans différents coloris, vous le voyez, c'est assez flashy, faut apprécier. La réalisation de cette voiture en termes de physique est donc assez particulière, je vous le disais, avec beaucoup d'appui, beaucoup de passages en courbe et surtout pas beaucoup de puissance, on est à 190 chevaux, mais c'est une coupe monomodèle et c'est surtout pour les track day, c'est-à-dire que si vous avez éventuellement un simulateur, vous voulez faire tester une voiture dans un simulateur à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de talent ou d'expérience, c'est avec cette voiture que vous pourriez par exemple faire un premier pas, puisqu'elle est simple d'utilisation, elle a surtout une boîte avec une grande tolérance, un comportement, passage en courbe, etc. Donc c'est plutôt, je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est très tolérant, la nuance est importante. Je rappelle également qu'on est sur Assetto Corsa et qu'on va faire deux petites courses ensemble, deux, trois tours pour découvrir cette voiture. Alors, au niveau de la technique de cette voiture, avant de parler du mode en lui-même, on va faire un point IRL avec donc un poids d'un peu moins de 600 kg et une puissance de 190 chevaux. Ouais, pour un couple à 276 Nm, comme ça vous savez tout. Vitesse max de 250 km/h, on fait un peu moins. De toute façon, dans le jeu, je crois que je suis à 235-240 au mieux. Ça dépend aussi beaucoup de vos réglages. Et un 0 à 100 en 3 secondes. Donc des sensations vraiment avec cette voiture qui est assez intéressante. Mais on va très vite en faire le tour si vous êtes joueur, en tout cas pilote un peu expérimenté. C'est une voiture avec laquelle vous allez très vite vous lasser, vous ennuyer et vous avez envie très vite de passer à plus gros, parce que la première chose qui vient avec cette voiture, c'est que quand on est sur une piste comme Donington, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi, c'est qu'on se sent très vite frustré par la puissance de la voiture, parce qu'elle a tellement un bon comportement en courbe que c'est dommage de ne pas avoir plus de vitesse et de plaisir avec cette voiture. On a envie qu'elle soit beaucoup plus pêchue et beaucoup plus violente à piloter. Regardez, je vais sur les vibreurs, ça ne bouge pas, ça avale ça sans broncher, c'est absolument incroyable. Voilà donc pour la spécificité et technique. Et l'envol de la deuxième course, on est cette fois-ci du côté de Zandvoort. J'ai pris une piste qui était présente cette fois directement dans Assetto Corsa pour voir un petit peu la gestion de l'IA et pour voir ce que cela donne. J'ai testé aussi la voiture entre deux sur d'autres pistes et j'ai pas été franchement convaincu de rouler sur plus gros que ce genre de circuit. En tout cas, un peloton composé d'une trentaine de skins. Oh, alors que devant ça sort, bah voilà. Qui voulait tester un petit peu l'IA. Bonjour, pardon, je ne fais que passer évidemment. Donc une voiture proposée avec une trentaine de skins, avec globalement des couleurs différentes. Y a pas grand chose, y a pas de skins travaillés, c'est vraiment numéros et couleurs différentes. Mais j'ai voulu la tester aussi sur Zandvoort pour tester un peu la compression et la détente, parce que c'est une piste extrêmement rapide et regardez, voilà, là ça passe extrêmement fort et c'est là où la voiture devient fun. C'est dans les enchaînements et les courbes bosselées où on constate que ça ne bronche pas et ça c'est ultra ultra fun. Bon, continuons de tester et de parler un petit peu de ce mode avec la réalisation visuelle. Moi je trouve qu'il y a un gros souci au niveau des reflets sur cette voiture, la texture est grossière. C'est un petit peu dommage parce qu'on sent que le modèle 3D a été un peu travaillé, mais que ça manque encore de temps de finition et de peaufinage. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que ça reste extrêmement brouillon pour l'instant. Peut-être aussi un manque d'information des modeurs. Je ne sais pas quels sont les liens entre les personnes qui ont fait cette voiture et les personnes qui l'ont conçue
dans la vie réelle, mais en tout cas en vue intérieure on a quelque chose de très lisse et de très moche. Vous l'avez vu plus tôt dans le, je pense dans le reportage. Ici on a quelque chose de beaucoup trop lisse, pas assez texturé. C'est un petit peu dommage. Alors une physique, je vous l'ai dit, donc assez particulière, un niveau de réalisation 3D correct. Qu'est-ce que ça vaut au niveau du son? Eh bien, je vous laisse un petit tour de cette piste de Zandvoort pour vous faire votre idée. Voilà donc ce qu'il en retourne au niveau du son de cette voiture. En tout cas, moi je vous la conseille parce que c'est une voiture assez fun. Et si voilà, vous êtes plusieurs potes à vouloir faire des courses en ligne, c'est pas trop prise de tête à régler, ça c'est sûr. Et c'est très 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 fun. En tout cas, moi je vous invite à me donner votre ressenti en commentaire sur cette voiture, évidemment. Ce que vous en pensez, si vous avez aussi les mêmes sensations que moi face à cette Fenio. Voilà, on va tout doucement refermer cette vidéo. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette nouvelle découverte et ce nouveau modèle à mode. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je n'oublie pas évidemment F1 2016 qui est au boulot, qui est au travail. Ça arrive bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais ça demande beaucoup de boulot. Merci pour votre attention et votre fidélité. D'ici la prochaine vidéo, eh bien, bon amusement en piste à toutes et à tous. À la prochaine, salut.